Tu as trouvé à la bibliothèque le livre Pop Up Pimpon des éditions Seuil Jeunesse. Alors, il y a quelques jours, on vous avait présenté celui-là, Pop Up Zoo, qui est dans la même édition. Donc là, Jules, il en avait choisi un deuxième à la bibliothèque. Deux. Oui, deux. Dans tous les contes de fées ou presque, il y a une méchante sorcière qui prépare des potions. Tu veux tourner, Jules? Vas-y. Oh, sorcière. Oui, c'est une sorcière. Oui. Tu tournes là. Le prochain, je crois que c'est un chat. Dans son affreuse bicoque remplie de vieux grimoires et de fioles de poison. Un chat. C'est un chat. Et une souris. Souris. Ça, c'est peut-être une princesse. Ah bah oui. Il y a souvent aussi une malheureuse princesse coincée dans un donjon. Oh, t'as vu une araignée? Oui. Une araignée. Dragon. Et en bas du donjon, un terrifiant dragon qui crache du feu. Allez, attends, il y en a deux. Prends celle-là. Tiens. Voilà. Il y a encore, bien sûr, une très gentille fée qui voudrait bien tout arranger. Elle a une baguette magique. Oh, et un bail. Et un prince charmant complètement désespéré. Oh, il va tomber du cheval. Grenouille. Dans tous les contes de fées ou presque, il y a un puits, un seau et un énorme crapaud. Qu'est-ce que ça fait le crapaud? Quoi? 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 Tu tournes? Après, ça va être hibou. Tiens, tu tournes? Crapaud Jules. Des chouettes, un hibou, un corbeau maléfique. Non, pas encore. Et même dans la nuit, d'horribles chauves-souris. Dans tous les contes de fées ou presque, il y a enfin un troll géant, un loup hurlant, une triste reine et un roi bedonnant. Mais jamais, jamais, jamais il n'y a. Il n'y a. Le pompier. Qu'est-ce qu'il fait le pompier? Enfin, c'est pas le pompier, c'est le camion. Attends, regarde. Dommage, regarde, le pompier, il lance de l'eau pour arrêter le feu. Il met un ruban autour de la bouche du dragon pour éviter qu'il crache du feu. Et puis, il monte à l'échelle pour aller sauver la princesse. Ça serait bien un conte de fées comme ça. Oh, regarde, il y a une dernière page. Attention, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Sauf que ce pompier a peur des araignées. Au fait, les as-tu comptées? Oui. Alors, combien il y a de... Maintenant, on repart du début. Combien il y a de... d'araignées? Est-ce qu'il y en a une, l'araignée? Laisse participer ton frère. Oui. Donc, ça fait... Deux. Une, deux. Donc, on retient deux après. Est-ce qu'il y a une araignée, là? Une autre. Elle est où, la Jules, l'araignée? Là. Oui, trois. Donc ça fait trois... Après, est-ce qu'il y a une araignée là? Oh, je l'avais montré tout à l'heure. Oui, là. 4. Est-ce qu'il y a une araignée là? Pour moi, non. On voit pas. On voit pas, Jules? Non. Non, alors on tourne. Donc on en est à combien là? 3. Après. Les 4. 4. Après. Est-ce qu'il y en a une là? J'en vois pas, moi. J'en vois pas. Il n'y en a pas? Après, est-ce que là, est-ce qu'il y en a une là? 5, j'en vois plein. 5. Après, j'en vois pas. On voit pas, moi. Donc 5 toujours. Est-ce qu'il y en a une là? Pas pour moi, j'en vois pas. Non. Est-ce qu'il y en a une là? Non. Non. Et là? Il n'y en a pas. Non. Donc non. On en est à 5 toujours. Est-ce qu'il y en a une là? Non. Est-ce qu'il y en a une là? Non. Non. Décidément. Il n'y en a que 5. Et si? Si. Oh. Non. Ah non, il y a un souci. Pourquoi? Parce que là, regarde la réponse. C'est 10. Vous en avez 10. 10. Regarde. Avez... Donc on recommence. Donc ça fait 1, 2. Après. 2. Oui, après. 2. 3. 3. Après.
4. Tu vois, le chiffre que tu m'as donné tout à l'heure, c'était pas bon. 4. Attends, faut bien vérifier. On voit pas et j'en vois des pas. Pages. On voit pas. 4. 5. Oh, oui, on l'avait pas vu celle-là. Oh, après. Après. Non, il n'y en a pas. 6. Oh, oui. On l'avait pas trouvé celle-là? Si, on l'avait trouvé. Après. On en est à 6. Non. On voit pas. On voit pas. 7. Là. 7. Bah. Il y en a peut-être sur la couverture. Non, il n'y en a pas sur la couverture. Attends, je reprends. On va y arriver. 1, 2, 3. Attends, je crois que j'en ai vu une autre. Ah non. 3, 4. 5. On va pas sauter de page pourtant. 6. 7, 8, 9. Tiens, on avait loupé celle-là. 9. 7, 8, 9. Bon. Tu vois, regarde. Neuf. On les avait même pas vues tout à l'heure. Bah, j'avais peut-être ma main dessus aussi en même temps. Donc on en est à 9. Et puis la dernière qui est sur la dernière page. 10. Ah oui, j'avais peut-être ma main dessus tout à l'heure. 10. Donc voilà. Donc c'était. Pop up, pimpon des éditions Seuil Jeunesse. Voilà.